Bonsoir, petite intro ASMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette. Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu. Je serai en live presque tous les soirs sur Twitch. Pense à venir nous voir, copain. Il y a aussi tous mes réseaux dans la description. La bise. Par où commencer? Bon, ce n'est pas une vidéo super simple à faire, ça fait plusieurs mois que j'y pense. Vraiment beaucoup d'hésitation, parce que ça fait très très longtemps que j'essaye entre guillemets de remonter la pente en ce qui concerne ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait beaucoup entre guillemets souffrir psychologiquement, hein, de voir tout s'effondrer petit à petit. Je me suis pas mal accroché en ce qui concerne ma chaîne YouTube, mais là clairement ça va plus. Donc voilà, je prends entre guillemets mon courage à deux mains, fallait que je finisse par vous dire. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup moins de vidéos et que j'étais plus forcément même dans mes vidéos, que ça me correspondait beaucoup moins en fait, hein, ce que je faisais. Donc voilà, fallait que je vous sorte cette vidéo. Avant de partir, vraiment, je vous le demande. C'est vrai que je le montre sous certaines de mes vidéos et tous les youtubeurs, ils vous le demandent à chaque fois. Mais s'il vous plaît, avant de partir de cette vidéo, le petit pouce bleu là-bas. Voilà, vous prenez 5 secondes de votre temps, vous mettez un petit pouce bleu là-bas. Vraiment, je vous le demande, allez mettre votre petit like, c'est super important. Plus vous serez nombreux à liker la vidéo, et plus les abonnés tomberont sur la vidéo, sera mieux référencé et tout le monde pourra être au courant, d'accord? Donc je compte sur vous pour aller liker la vidéo et surtout, je vous le demande, même si je sais que tout le monde vous le demande sur les vidéos, tous les youtubeurs vous le demandent, je demande de prendre 10 secondes de votre temps pour le faire sur la mienne. Voilà, pareil, vous mettez un petit commentaire, un truc en rapport avec la vidéo, vous me posez une question, vous me dites ce que vous en pensez, peu importe, mais vous ne partez pas. Vous mettez aussi un petit commentaire, je vous demande, ça serait vraiment super gentil. Donc voilà, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, il fallait que je finisse par vous l'annoncer. YouTube, ça va vraiment plus, pourtant j'ai vraiment investi, vous pouvez voir qu'il y a un décor derrière, que je me suis donné à fond sur les montages des vidéos, ça me prend 5-6 heures de travail à chaque vidéo et j'en faisais presque tous les jours au début du confinement, mais là clairement ça devient invivable et insupportable, ça dégringole de plus en plus, donc bah voilà, on y est, après presque 10 ans de YouTube et puis presque 2 ans de charbon où vraiment j'ai pas arrêté à en mettre plein de choses de côté dans ma vie de tous les jours, voilà, fallait que je vous le dise, c'est le 1er avril. Dans ce que je viens de vous dire, au final, il y a vraiment quelque chose de vrai. C'est une blague, mais en fait, à moitié. Je vais vraiment arrêter quelque chose sur YouTube. En fait, je vais arrêter de faire des lives. Et c'est le message que je voulais vous faire passer en début de vidéo. Surtout, allez me suivre sur Twitch. Maintenant, je fais des lives tous les jours et presque toute la journée sur Twitch. Donc vraiment, pour tous les copains qui ont un jour suivi mes vidéos, qui les apprécient, ceux qui aiment bien mes lives aussi, je vous en conjure, allez me suivre sur Twitch. Twitch, c'est super important. Je live tous les jours là-bas. Il est en première ligne de description. Il est dans l'intro de toutes mes vidéos. C'est Raifi. Voilà, le nom de ma chaîne Twitch, c'est Raifeed comme le nom de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne suivent pas Twitch, mais pour ceux qui ne vont pas sur Twitch, mais qui aiment bien les lives, je vous propose à aller installer l'application. Vous allez installer Twitch et vous venez regarder les streams. Il y a des streams tous les jours, on vous tient au courant sur le Discord, sur les réseaux sociaux. Mes streams sont aussi rediffusés sur ma page Facebook officielle. N'hésitez pas à aller les suivre, il y en a tous les jours sur du multigaming et plein de jeux différents. Je vais aussi en faire sur Call of Duty Warzone. Donc je compte vraiment sur vous. Allez me suivre sur Twitch, on est bientôt à 400 follow. Vraiment, qu'on arrive à passer au moins 1000 followers là-bas, ça serait vraiment énorme. Je sais que je vous en demande beaucoup. Mais vraiment, passez même le message à vos amis, vos cousins, je sais pas, mais essayez de faire venir un maximum de monde si vous le pouvez pour qu'on essaie de se faire entre guillemets un nouveau départ pour ce qui concerne les streams. YouTube, ça changera pas grand chose, je vais continuer à faire des vidéos, je vais même essayer d'en poster plus souvent pour essayer de faire remonter tout ça. J'ai pas dit mon dernier mot, mais en ce qui concerne les lives, ça sera terminé sur YouTube, voilà, ça se passera uniquement sur Twitch. Je compte vraiment sur vous pour aller me suivre là-bas, ça ferait extrêmement plaisir. En plus, tu rigoles bien, on peut faire plein de trucs maintenant qu'on pouvait pas forcément faire sur YouTube. Mettre de la musique, ce qu'on veut derrière, aller voir des vidéos, voir des émissions ensemble. De regarder des films, peu importe, plein de choses, tout se passe là-bas, ok? Donc voilà, pour tous les copains qui me suivaient, vraiment, je compte sur vous. On se retrouve là-bas, et pour ceux qui préfèrent rester que YouTube, bah écoutez, à très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Raifeed, votre tonton tacos. Prenez soin de vous, et surtout de votre famille en ce temps de confinement. À très bientôt, ciao, ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and